Resident Evil 6. Les armes biologiques menacent les travailler avec le reste de l'homme s'étant parti d'incident en incident. Beaucoup de personnes veulent me dissuader de rédiger l'intention. Je pourrais créer plus de problèmes que ça dans le centre de responsable pour avoir une chance. Notre amitié a toujours compté pour moi. Restez où vous êtes. Monsieur le Président! C'est à cause de moi. Tout est ma faute. De quoi est-ce que vous parlez? La cathédrale de Tholox. Je vous expliquerai là-bas, agent Kennedy. Vous savez comment je m'appelle? Oui. Hannigan? Merci, vous allez bien. Quoi, vous la connaissez? C'est Lena Harper. Elle a rejoint les services secrets l'an dernier. Je suis vraiment heureuse de voir que vous allez bien tous les deux. Bon, trêve de présentation. Faites-moi un rapport détaillé sur la situation. Je viens de tuer le président. Comment? Il avait déjà été infecté à notre arrivée. Léon a fait ce qu'il fallait. Il m'a sauvé la vie. C'est terrible. Très bien. Je transmets l'info. Vous, de votre côté, essayez de vous sauver de là. Le virus s'est déjà répandu à 4 km autour du campus. Et il ne ralentit pas. Dépêchez-vous. Il faut qu'on inspecte la cathédrale de Tholox. L'agent Kennedy a une piste qui pourrait mener aux responsables de tout ça. Léon, c'est vrai. Hey. Je tiens peut-être quelque chose. Entendu. Je vais chercher le chemin le plus sûr. Je vous recontacte. J'ai une piste. Suis-moi et tu en auras une. Non ! Ne tirez pas ! Vous allez bien? La brume. Quoi? La brume. Elle est apparue d'un coup. Lise! Non! Non, lâchez-moi! C'est trop dangereux. Ma fille, elle est toute seule. Si on n'agit pas vite... C'est bon, ça va. Mais mettez-la en veilleuse, vous la reverrez jamais. Vous comprenez? Lise. C'est votre fille? Ok, trouvons-la. Léon, on n'a pas le temps de... On va le prendre. Tu iras bien, Lizzie. Tu vas t'en sortir. Papa... On y est presque. Liz. Ah!
Allons-y. Léon, c'est trop tard. On ne peut plus rien faire. T'as raison. Il faut qu'on se barre d'ici. Je vais bien. Ne traînons pas. Qu'est-ce qu'il y a? T'as peur des égouts? Allez, il faut qu'on aille à la cathédrale. Ensuite, je te dirai tout. Les armes biologiques doivent être assimilées. J'ai l'intention de tout leur dire. Tout ce qu'on sait sur l'incident de Raccoon City. Mais, monsieur... Beaucoup de personnes veulent me dissuader de révéler la vérité. Je sais où ils veulent en venir. Ça pourrait créer plus de problèmes que ça n'en résoudra. J'ai bien appris cette leçon dans l'armée. Les armes biologiques menacent le monde. Et c'est en partie notre faute. Nous devons tout révéler et travailler avec le reste du monde pour avoir une chance de les éliminer un jour. Quoi que vous décidiez, monsieur, je vous soutiens. Votre amitié a toujours compté pour moi. Il faut prendre nos responsabilités et arrêter cette folie. Ça ne sera pas de ton repos. Une organisation appelée Neo Umbrella vient de revendiquer cet attentat. Neo Umbrella? Je sais ce que tu penses. Ouais. Ça recommence comme à Raccoon City. N'en sais pas plus. À présent, à ton tour de m'aider. Je dois savoir ce qu'il y a dans cette cathédrale. Mes supérieurs veulent que je leur donne plus d'infos. Ah oui? En particulier, Derek C. Simmons, conseiller à la sécurité nationale. Attention. Oh.
Vous êtes? Désolé. On n'est pas l'équipe de secours. Il y a une porte secrète près de l'hôtel qui mène sous terre. Mais il faut trouver le moyen de l'ouvrir. Tu peux me dire ce qu'il y a là-dessous? Je préfère te le montrer. C'était ça que tu voulais me montrer? Non. Je croyais... Ok, ça suffit les secrets. Qu'est-ce qui se passe ici? Sortons-la d'abord d'ici. Après je te dirai tout. C'est promis. Thank you.
On dirait que tu as vu un fantôme. Ada, qu'est-ce qui se passe ici? C'est très compliqué. Mais ce n'est ni le moment, ni l'endroit. J'ai ta mort. Pitié. Pardonne-moi. Sécurité du président pour Simmons. Ça, c'est du Simmons tout craché. Pourquoi il ferait un truc pareil? Longue histoire. Nous jouons avec les véritables dirigeants de ce magnifique pays. Un jeu vraiment très dangereux. Et si vous n'abattez pas les bonnes cartes... Simmons, c'est là? Oui. Hunnigan, sois très prudente. Je crois qu'il est derrière tout. Parle de moi. Simmons. Le président vous estimait beaucoup, agent Kennedy. Vous aussi. Vous étiez amis depuis 30 ans. Dites-moi, est-ce que c'est vrai que vous étiez seuls tous les deux avec lui au moment de sa mort? Qu'est-ce que vous insinuez? Eh bien, vous devez savoir que vous êtes tous les deux... des suspects dans cet attentat. Quoi? Agent Harper. Au moment de l'attentat, vous aviez quitté votre poste. Et il était le président vulnérable. Admettez que c'est un comportement plutôt... suspect. Espèce d'enfoiré! C'est vous qui avez tout planifié! Est-ce que vous avez des preuves permettant d'étayer cette accusation ridicule? Je suis le conseiller à la sécurité nationale. Mon travail... est de prévenir les attentats, pas de les causer. Menteur! Elena, si vous êtes tous les deux convaincus de votre innocence, vous ne verrez pas d'inconvénient à venir vous rendre. Je vais lui faire payer. Apparemment, on n'est pas au bout de nos surprises. Stérilise le secteur. Et il détruit toutes les preuves. Quelle ordure.
Dieu merci, vous êtes vivant. Où est Simmons? Il est parti après vous avoir parlé. Il était pressé. Oh merde. Pour aller où? Il était au téléphone avec quelqu'un quand il est parti. Il avait l'air contrarié. Il y a moyen de savoir où il est allé? N'ayez crainte. Je l'ai fait suivre. En ce moment, il est en train de se diriger vers l'aéroport où son jet privé s'apprête à décoller pour la Chine. La Chine? Oui. Voilà, regardez-moi ça. Qu'est-ce que c'est? Une nouvelle attaque bioterroriste. Le BSA a confirmé qu'il s'agissait du même agent utilisé en Europe de l'Est il y a 6 mois, le virus C. Le virus C. On a vu ce genre de cocon, ici. Il faut qu'on arrête Simmons et qu'on le mette derrière les barreaux. Nous n'avons aucune preuve. Et là, maintenant, vous êtes tout en haut de leur liste de suspects. Non. Écoute, Hannigan, il faut que tu fasses croire qu'on est mort. C'est possible. Quoi? Oui, bien sûr. Mais ils finiront par s'en apercevoir. Vous allez faire quoi? On part pour la Chine. Ça y est, on arrive en Chine. Parfait. Ça va, tu tiens le coup? T'aurais dû me dénoncer. T'aurais été blanchi. Peut-être. Mais ça n'arrêterait pas Simmons. Et puis, je commence à m'habituer à ta présence. Chérie, qu'est-ce que tu fais là? Je suis en pleine mission. Ouais. On m'a dit que t'étais devenu agent. Qu'est-ce que tu fais là? Je recherche le responsable, le conseiller de la sécurité, Simmons. Quoi? Tu dois sûrement faire erreur, je travaille pour Simmons. C'est lui ton supérieur? Nous avons rendez-vous avec lui maintenant. Où est-il? Dis-le-moi. Jake! Laisse-moi gérer ça. Je croyais que t'étais censé éviter les contacts. Tout contact. Léon n'est pas n'importe qui. Il m'a sauvé la vie à Raccoon City. Je vois.
à toi. Plutôt un admirateur, genre qui nous lâche pas d'une semelle. Bienvenue au club. T'y habitueras. Suivons-la. Ada! Qu'est-ce que tu fais là? Baisse ton arme, Chris. C'est un témoin important, on a besoin d'elle. Un témoin? C'est elle qui a causé tout ça? Non, c'est pas elle, c'est Simmons, le conseiller de la sécurité. J'ai perdu tous mes hommes à cause d'elle! Et moi j'ai perdu 70 000 personnes! Dont le président à cause de Simmons! Elle travaille pour Neo Umbrella, tu sais ce que ça veut dire? Ouais, je sais. Et tu vas quand même protéger cette femme? Oui. Capitaine! Se charge de Ada. Occupe-toi de Simmons. Chris! Je sais que tu feras ce qu'il faut. T'es sûr qu'on peut compter sur lui? Il est là depuis aussi longtemps que moi. Je lui fais confiance. D'accord. Bien. Il faut trouver Simmons. Bien, voilà qui est inattendu. Non, attendez! Ah,
Agent Birkin, vous tombez vraiment bien. Veuillez arrêter ces deux individus, je vous prie. Ils disent que vous êtes impliqué dans l'attentat. Est-ce que c'est vrai? Oh, ne me dites pas qu'ils s'amusent à crier ça sur tous les toits, quand même. Répondez-moi! C'est uniquement pour le bien des États-Unis et de la sécurité mondiale. Je vois pas comment la mort du président pourrait profiter au pays! Le président est mort? Oui, mais c'est Léon qu'il faut remercier pour ça. Soyez maudits, Simmons! Débarrassez-moi d'eux. Non! Arrêtez! Cessez le feu! Ces deux-là peuvent encore nous servir. Vous devriez être plus prudent. D'accord, quel est le plan, monsieur le héros? Vous pouvez atteindre cette porte? Mais pourquoi on les bute pas? Parce qu'il faut que tu protèges Siri. Vous pourrez en finir. Je n'ai pas que ça à faire, moi. Et qu'est-ce que vous allez faire? Tuer Simmons. Elle contient des informations pouvant arrêter le virus C. Simmons la veut. Merci. Je vais demander au FOS de vous protéger. On y va! Alertez les hommes dehors. C'est terminé. Vous me poursuivez alors que cette femme est en fuite. Quelle femme? Cette traîtresse, Ada Wong. Qui sait ce qu'elle nous prépare? Il y a une autre équipe à sa recherche. Mais vous, Simmons, vous êtes à nous. Vous êtes là pour venger le président, c'est bien ça, imbécile. S'il avait dévoilé la vérité sur Raccoon City, les États-Unis auraient perdu toute crédibilité et l'équilibre politique mondial se serait effondré. Pour éviter un désastre potentiel, vous en avez causé un autre, peu importe le nombre de victimes. Il fallait l'arrêter! Il menait mon pays et le monde au chaos total. Cette garce, comment a-t-elle pu oser me faire ça? Enfin la paix.
c'est l'heure. Pourquoi est-ce que ma famille m'abandonne? C'est fini? Oui. C'est fini. Léon, nous avons un problème. Chéri et son compagnon ont été enlevés. Ils sont dans un champ pétrolifère sous-marin à une centaine de kilomètres de vous. Enlevés? Pourquoi? Les dossiers. Ce qu'elle nous a donné. Mais attends. C'est la clé pour arrêter le virus C, c'est... Jake. Hannigan, vérifie s'il existe une unité du BSA près du champ pétrolifère. Un instant. Qu'est-ce que c'est? Ok, j'ai un Chris Redfield en ligne. Je te mets en contact avec lui. Chris Redfield? Léon! Léon, où t'es? Chris, on est devant Tachi, pourquoi? Barrez-vous d'ici! Problème. Et un gros. Et merde! Chris, écoute-moi. Il faut que tu sauves deux otages sur un champ pétrolifère sous-marin. L'agent Sherry Birkin et Jake Muller. Wesker. Wesker? Chris, il a les anticorps du virus C. Bien reçu. J'y vais. Ok, merci. Léon, attends. Il faut que je te dise quelque chose. Ada Wong est morte. Ok. Ed, Chiri et Jake. C'est primordial. Est-ce que ça va? Il faut qu'on trouve les survivants et qu'on se tire d'ici.
je te tiens. Nos agents sont morts aujourd'hui. Hors de question que tu les rejoignes. Léon. Comment tu te sens? Ça va aller, je crois. Merci. Léon, qu'est-ce que vous faites? Vous devez sortir de là, vite! On se dirige vers la tour Quad. Quoi? Non, c'est trop dangereux. Il y a des membres du BSA et des survivants. Je les abandonnerai pas. Très bien. Laisse-moi t'aider. Je vais t'indiquer le meilleur chemin. Merci, Hannigan. Je crois qu'il en redemande. Je crois qu'il en demande. Je sais ce que tu as fait. Attends ! Tu m'as désobéi. Tu as pris le fils de Wesker. J'espère que vous avez des amis là-haut. Vous manquerez à personne ici. Elle va sur le toit. J'espère que l'ascenseur fonctionne encore. Ça va pas? C'est rien. On y va. Elle est plus qu'une simple amie, pas vrai? Tu aimes cette fille. Non !
quoi tu joues? Pourquoi tu nous aides? Je serais bien restée, mais je dois filer. Je t'ai laissé un petit cadeau d'adieu sur le toit. À très bientôt, Léon. Ada! Qu'est-ce que t'attends? Rattrape-la. Non. On reste ensemble. On a encore une chance, si on arrive là-haut. N'abandonne jamais, pas vrai? Il est temps d'en finir. C'est pour ma sœur. Allez, viens, on va aller, Lico. C'est Ada. La preuve que Simmons est coupable. Ce qui prouvera aussi ton innocence. Notre innocence. C'est pas la peine. Elena. Bonne nouvelle. Nous savons maintenant comment vaincre le virus. Bien reçu, on se met en route. À plus tard. Allez.
souverain de mes responsabilités. Merci. Je suis prête. Quoi ? Mais j'ai rendu l'attente impossible. La commission d'enquête a étudié toutes les preuves. Et elle n'a pas l'intention de vous condamner pour le crime de Simmons. Elle a aussi choisi de ne pas révéler ses découvertes au public. Mais... Le président aurait fait pareil. Très bien. On va rejoindre l'équipe. Léon ? Tu lui donneras quand tu la verras.